Fils aîné de la défunte reine Elisabeth II, Charles III avait été proclamé roi d'Angleterre à la mort de sa mère le jeudi 8 septembre 2022. Après plusieurs mois d'attentés, le nouveau monarque du Royaume-Uni sera officiellement couronné lors d'une grande cérémonie qui se déroulera le samedi 6 mai 2023, au sein de l'abbaye Westminster à Londres. Pour l'occasion, l'ensemble de la famille royale sera réuni, ce qui inclut le prince Harry. En effet, malgré ses relations tendues avec le roi Charles III et le prince William depuis qu'il a quitté l'Angleterre pour partir s'installer en Californie, l'époux de Meghan Markle sera bien présent pour le couronnement de son père. Il ne sera toutefois pas accompagné de sa femme, qui a préféré rester chez elle afin de s'occuper de leurs enfants. Souhaitant être présent aux côtés de son fils Archie, qui célèbre son 4e anniversaire en ce samedi 6 mai 2023, le prince Harry a prévu de rentrer aux États-Unis peu de temps après la fin de la cérémonie. Il ne restera donc pas plus de 24 heures sur le sol britannique, étant donné qu'il est arrivé en Angleterre le vendredi 5 mai 2023 sur un vol commercial d'American Airlines. Ce même jour, les médias britanniques ont rapporté que la famille royale avait organisé un grand repas au sein d'un club privé, auquel le prince Harry n'a pas été convié. Couronnement de Charles III, la famille royale rassemblée la veille autour d'un grand dîner. Même le prince Andrew a rejoint ses enfants, les Tyndall, la princesse Anne et son mari, les Kenneth et les Wessex au club Mayfair d'Oseval de ce jour-là. Ce club privé de luxe appartient à l'entrepreneur britannique Robin Birley. Pour l'anecdote, ce dernier possède et gère également le 5 Hertford Street, qui n'est autre que le lieu où le prince Harry et Meghan Markle ont eu leur tout premier rendez-vous. Le Mayfair d'Oseval est le plus exclusif des clubs privés de Londres. Il est aussi considéré comme étant le meilleur établissement pour les connaisseurs de vin. Les clients peuvent d'ailleurs mettre en cave leur propre vin, ou bien l'acheter sur place pour le déguster au sein du restaurant de l'établissement. À propos de l'auteur Clément Machiato, passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui, le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Point. Ces derniers articles et Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa mort. Maïté Nabir Aben millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher. Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-amant GE.